Et ben voilà, mes amis, c'est l'endroit que j'ai trouvé le plus chouette pour travailler. C'est là que je travaille, un super parc. La maison là-bas, c'est là où je loge. On voit ma voiture. On voit ma voiture là-bas. Donc voilà, c'est l'hôpital Alfred Brard à Guémenée. Et tous les jours, donc je monte ici, je passe par l'allée ombragée. C'est super beau. Ça donne envie de s'installer ici. Alors là, on est au centre de la Bretagne. Hein. Vous avez vu le temps qu'il fait? Regardez, je ne sais pas si vous voyez les maisons au fond. Je ne sais pas si c'est bien cadré. Mais c'est typique de la Bretagne. Les toits. C'est bien, hein? C'est super, hein? Ouais. Donc là, je dévale. Regardez comme c'est beau. Super bien entretenu. Donc là, je me dirige vers vers l'endroit où je loge. Je suis logé gracieusement, gratuitement. Regardez comme c'est beau. Et il y a cette maison là, je ne sais pas si on la voit bien, qui est cachée derrière les arbres. On va la voir un peu mieux. Ils ont installé une tonnelle pour le 14 juillet. On est le 10 juillet. Elle est belle, hein, cette maison. Et ben, elle donne dans l'hôpital. C'est une maison privée, mais voyons, les gens ils rentrent dans l'hôpital. Voilà. Regardez comme c'est beau. Superbe. Là, on sort de l'hôpital par là. Donc là, je vais faire comme tous les soirs, je vais aller à mon kebab. Je vais garder la caméra parce que je vais filmer un petit peu les habitations et je vais vous montrer comme elles sont belles, les habitations ici. Donc je garde. Arrière pour sortir de l'hôpital. Donc là, je vais me rendre à mon kebab. J'ai rencontré donc un kebab avec Asdin, le gars qui tient le kebab, un mec super bien. Il faut que je mette ma ceinture. Donc ici, on est en Bretagne. À Guémenée. Alors, vous voyez là par exemple cette maison là, en brique. Enfin en brique, qu'est-ce que je raconte, en pierre. Bon, je vais essayer de rouler doucement. C'est un super beau village. Cette maison à gauche là, c'est la médiathèque. Évidemment, il y a une crêperie, on est en Bretagne. Vous voyez le kebab là? Je vais garer la voiture. Je vais voir s'il y a une place à l'ombre. Hein. Quand même, on est en Bretagne, mais il fait super beau. Non, il n'y a pas de place à l'ombre.
puis on va... Peut-être qu'il y en a une un peu plus bas. Ouais, il y en a une ici. C'est un petit créneau. Hop là. Alors, produit du terroir. Petite Léa. Alors vous voyez les maisons, elles sont belles, hein. Ça fait vraiment médiéval, hein. Beau ça. Donc là on va au kebab du Scorff parce qu'on est à Guémené sur Scorff. Alors moi aussi. Regardez comme c'est beau. Il y a tellement de soleil que j'arrive pas à voir le cadrage, j'espère qu'il est bon. Et donc là, on arrive chez mon ami Asdine. Salut. Tu vas bien? Je vais te faire de la publicité. À la fin. Ça va. Hein? Je vais mettre une petite vidéo de vous. Ce sont mes amis.